vivement qu'on se débarrasse de la Belle au bois dormant, là. Ouais, c'est pas faux. Les gars de Reed sont en position à côté de son hélico. Reed doit s'impatienter aussi. Colonel Prentice, j'ai fait aussi vite que possible. Ouais, je sais, Oscar, je sais. Mais Reed n'est pas un homme patient. Colonel, désolé d'insister, mais j'aimerais vraiment qu'on discute de mon salaire. Vous croyez que c'était Cobin qui s'en chargeait? Ouais, mais avec tout ça, j'ai dû embarquer plus de passagers et de matos que prévu. Et le vol a été plus long, alors... Écoutez, Oscar, parlez-en au colonel Reed. Il s'en occupera. Bref, quelqu'un voulait parler à Sam. C'est pour ça qu'ils se sont donné la peine de le piéger à Malte, chez Cobin. Et c'est aussi pour ça qu'ils l'ont drogué et rapatrié aux US. Il valait mieux pour eux qu'il soit bien tranquille à la livraison. Parce que sinon, je crois bien que Sam Fisher aurait démoli cet endroit à main nue. Il se réveille. Le kérosène, c'est pas gratuit. Colonel Prentice, commandant Robertson, faisons vite. D'après le planning, vos hommes doivent être en position. Nous sommes opérationnels, monsieur Reed. Le déploiement a commencé à 9:00. Bien, continuez sur votre lancée. De mon côté, je retourne à échelon 3 pour m'occuper du reste. Oh, nos hommes savent ce qu'ils ont à faire. J'en suis certain. Si vous voulez bien nous excuser un instant, je dois m'entretenir avec Anna Grimsdottir. Une vieille affaire réclame notre attention. Bien sûr. Commandant. Ok, le paquet est à vous. Vous l'avez conditionné à Malte, à vous de lui faire déballer ce qu'il sait sur les IEM. Je veux savoir comment Fisher est au courant et pourquoi il s'en est pris à notre ami Cobin. Ça peut prendre du temps, Tom. Il est très entraîné aux interrogatoires. Utilisez tous les moyens nécessaires. Rogue ou autre, ça m'est égal. Cuisinez-le, puis supprimez-le. Mais... faites ça proprement cette fois-ci. Je tâcherai de m'en souvenir. Autre chose ? Mettez-vous au travail. Et appelez-moi quand vous avez quelque chose. Je serai au QG. Écoute-moi attentivement. J'espionne échelon 3 à la demande de la présidente Caldwell. Le nouveau directeur, Reed, bosse pour nos hôtes, une société militaire privée, appelée Black Arrow. Leur réseau de matos IEM russes volés transite par Malte. Mais Reed a assez de pouvoir pour empêcher toute enquête sérieuse. Reed peut gêner la présidence ? Il est soutenu politiquement, mais on n'en sait pas plus. Caldwell a fait jouer les réseaux officiels, mais sans arriver nulle part. On est sûr qu'ils sont sur une opération d'envergure, mais on ne sait pas ni où, ni quoi exactement. Vraiment ? C'est pour ça que t'es sur le pied de guerre en ce moment, hein ? Arrête ! J'ai besoin de toi. Si je bouge un cil, je suis grillé. Mais toi, comme tu n'es plus actif, tu peux faire ce que tu veux. Je suis trop vieux pour ce genre de truc, Grimm. Genre, dis ça au type que t'as descendu à Malte. Ok, ça doit être crédible, sinon c'est fini pour moi. Ils doivent croire que tu t'es échappé. Frappe-moi, fais ce que tu as à faire. Grimm, je te le répète, ça ne m'intéresse plus. Ah bon ? Pourtant, ça n'a pas vraiment pris longtemps. Le simple fait d'évoquer Sarah, et tu replonges, mon vieux. Tu sais quoi sur Sarah ? Je sais qu'elle est en vie, c'est un bon début, non ? Tu mens. Sarah est morte. Lambert m'a dit qu'elle était morte. Et je lui fais confiance. Elle est vivante, Sam, et je sais où elle est. Et je l'ai toujours su. Pourquoi est-ce que je te croirais ? Tu mens. Mes hommes la tiennent, Sam. Tu m'aides, tu reverras ta fille. Tu m'aides pas, je ne peux rien pour toi. Fais très attention, Grimm. Si tu me manges, je te tuerai, tu comprends ? Je n'hésiterai pas. Sam, je te mens là-dessus depuis des années.
Ok. Ok, ça ira. Bien joué. Ferme-la. Tiens, ma voiture est garée à l'extérieur de la grille. C'est une T-208 rouge. Le GPS est désactivé. Échelon 3 ne pourra pas te suivre. Et prends cette caméra. Elle est connectée à ce téléphone. Le signal est crypté. T'as peur de te sentir seule ? Je voudrais que tu parles à Sarah pour que tu comprennes qu'elle est vivante et en bonne santé. Maintenant, on doit t'exfiltrer. Essaie de mettre la main sur du C4. Il y en a à l'extérieur. Trouve-en et rappelle-moi. Tu me donnes ton arme ? Utilise-la sur les bonnes personnes. Bien sûr. C'est bon, j'ai le paquet. Ok, je t'explique. Sans GPS, ils ne pourront pas localiser ma voiture. Mais ils ont un hélico, ce qui rend les choses un peu délicates. Ils vont m'envoyer dans le décor. Ce coin est tellement isolé que personne ne remarquera rien. Tu dois mettre l'hélico hors service ou tu n'as aucune chance. Ok, mais une explosion, c'est pas vraiment discret. C'est bon, on a fini de le recouvrir. Tu crois vraiment que ça va marcher ? J'en sais rien. Mais j'ai pas envie de le découvrir à nos dépens quand on sera tout là-haut. Il le faut. On doit tester ce truc dans pas longtemps. T'as pas le choix. On est au boulot. Bouge pas. Tu crois qu'on arrive au bout ? Ouais. Tu vas te faire tuer. Thank you.
zone! Faut trouver ce mec et le tuer! En avant! Elle t'a dit quoi, la demoiselle Fischer? Tu seras pas le premier. Grim, c'est bon pour l'hélico, mais il faudra aussi que je m'occupe de leur réseau électrique. Bien vu. Black Arrow a fait changer le système quand ils ont reconverti l'aérodrome en terrain militaire. Donc il est vulnérable. Les relais sont le point le plus faible. Tu sais où ils sont? Il y en a un dans l'un des baraquements. Il n'est pas protégé. Ok, j'y vais tout de suite. Merde! Tu vas retourner dans...
toi, tout de suite. Abandonne, connard, t'es fini. Arrête de te cacher comme une... Seule solution, c'est la manière forte. On n'a plus de jus. Faut enclencher le groupe électrogène. Allez. Sam, bien joué. Ma voiture est garée de l'autre côté de la grille. Mais à mon avis, tu n'es pas encore parti. Tu veux dire quoi, là ? Je repère une antenne satellite connectée à un appareil espion. On a sur l'héliport. Allumez le sauter au C4. Ton GPS n'est pas désactivé ? Si, évidemment. Mais ils peuvent toujours te repérer à l'aide du satellite. Dis donc, la prochaine fois, tu serais gentil de faire tes devoirs avant. Me dis pas que t'essaies de t'enfuir ! T'as aucune chance ! Quelqu'un a coupé le réseau. Attention, les gars, il est pas loin ! Bordel ! Et... Oh ! Dommage que tu sois pas un chat. Ils chassent les rats d'aéroport, alors on les abat pas. Nom de Dieu. Je vais retrouver celui qui t'a fait ça, mon pote. Arrête de stocker, Pritchard. Putain de merde! Écoute, mon pote, je sais que t'es là. Le plus simple, c'est que putain de... Putain de... Je sais bien que t'es là. Oh la vache. Avale ça, connard. Oh, oh,
Grim. C'est bon, l'antenne est piégée. Ok. Maintenant, file récupérer ma voiture derrière la grille. Leurs véhicules sont tous à l'intérieur. Attention, si on grille leur système de sécurité, ils sont coincés. Bien joué. J'ai bien fait de ne pas taper trop fort. Rejoignez immédiatement vos postes de sécurité. Vous avez l'autorisation de faire feu. Le prisonnier est toujours en fuite. Je répète, prisonnier toujours en fuite. Allez, sors ! Je te tuerai vite ! Merde ! Fichier libre ! Il a déjà calme ! En ma terre ! Trouvez l'intrus et saisissez-le ! Attention, le prisonnier est un spécialiste du combat. Il est armé et considéré comme dangereux. J'ai pas le temps de jouer, connard! Montre-toi! Oh! Oh shit! Allez, viens! Te dégonfle pas! Montre-toi! Le type qui a fait ça va payer cher, je te le promets. Je vais le trouver et le buter. T'aurais dû rester avec la dame, Fisher! Hey! Un homme à terre! Fisher l'a tué! Le laissez pas s'enfuir! Oh non! T'as peur d'un combat d'homme à homme, petite merde? Oh, bordel! On a une victime! Ce salopard de Fisher ne perd pas de temps! Tu cherches un avion, Fisher? Viens ici, je vais te faire voler! Tu te prends pour un vrai dur à cuire, Fisher? Viens, bam! Sam, mauvaise nouvelle. Sarah va bien, mais je vais devoir repousser ton appel. On arrête de jouer. Tu ne m'appelles plus tant que je n'ai pas ma fille en ligne. Paladin 9, ici Victor Coste. C'est Sam. Je suis en ville et j'ai besoin d'un coup de main. Si t'as des emmerdes, vaut mieux qu'on se voit. Eh, dis donc. Mais c'est quoi tout ce boucan ?
Je disais bien que tu reconnaîtrais ce son. Ça te rappelle quelque chose? York. Hey, Sam, comment va ta petite? Elle va bien.